Salut à tous, c'est Mister Freeze. On se retrouve pour la cinquième partie, il me semble, de la quatrième affaire de Phoenix Wright. Ah, mes oreilles. Le son était un peu trop fort. Voilà qui complique un peu l'affaire. Alors qu'on avait presque réussi à prouver que c'était pas lui. En fait, on a à peu près découvert ce qui s'était vraiment passé. Mais bon, il y a encore quelques points obscurs. Pourquoi il était là. Enfin, voilà, on verra. De toute façon, toute la conclusion va se faire, c'est logique, dans la dernière partie de l'affaire, donc dans la prochaine vidéo. Enfin, les deux prochaines vidéos, je pense que je vais couper en deux, parce que c'est vraiment très long. Ça a duré plus d'une heure, c'est sûr et certain. Alors, qu'est-ce qu'il a à nous dire, Paul? Le gars qui casse tout, même la musique et tout. C'est toujours début du printemps dans les trucs comme ça. D'un coup, ça a l'air moins impressionnant que ce qu'on s'imaginait. Sérieux? C'est quoi ce système de merde? Moi, je vais racketter dans cette école, hein. Hein? 38 euros pour un mois? On signe où? Sérieux, 38 euros? C'est que dalle. Abusé. Précoce. Thank you.
Le gars, quoi. Moi, je vous rappelle que son père était avocat. Ah, c'est le sien, en plus. Moi, je m'en rappelais pas du tout de... Et du coup, on sait même pas qui a volé l'argent. Mais bon. Attends, mais je comprends pas. Il était absent. Ah, ils l'ont désigné coupable un jour et ils ont fait le procès après. C'est un peu bizarre. Faire DL6 qui est, vous l'imaginez bien, ultra importante. C'est un peu la base de cette affaire. C'est un peu con quand même. Il y en a qui peuvent trouver ça beau, mais moi je trouve ça débile de changer toute sa carrière juste pour parler à un mec qui veut pas nous parler. Bon. Ouais. Après, c'est pas trop grave d'être avocat non plus, quoi. Voilà, donc normalement on va pouvoir se barrer.
J'avoue. C'est con, je suis d'accord avec lui. Ah ouais, je comprends mieux. Il veut plus défendre des gens que comme ceux qui ont tué son père, quoi. Ça, c'est l'avocat. Hein. Jean Durand, c'est la victime de cette affaire. Et l'avocat de l'affaire d'L6, qui a défendu le meurtrier du père de son père. En train d'imaginer plein de conneries là, mais bon. C'est pas parfait, c'est débile. Je pense que je vais partir du coup. Faut le faire pour des champs de travail. Non, je vous rappelle hein, qu'il a disparu depuis le dernier procès. Ah d'accord, c'est un jeu de mots pourri. Il va avoir des ennuis. D'accord. Bah comme son nom, hein, il va causer soucis.
Bref, faut aller à la boutique, faut passer par là, je crois. Il souffle encore la nuit. Vous aider pour une fois. Pour une scène de crime, je trouve qu'on peut facilement se déplacer quand même. Surtout qu'il y a tout le monde qui vient comme il veut, quoi. Sérieux? Oh putain, vite! J'arrête la vidéo. Désolé, je suis allé un peu trop loin dans ma blague. C'est vrai. Super pratique, ok. Le gars, il laisse une preuve comme ça dans son... chez lui, quoi. D'accord. Putain, il cachait bien son jeu, ce salopard. Bon, par contre, on sait pas qui a écrit la lettre. Ouais, je sais pas si c'est une preuve valable parce qu'on peut pas trop prouver, enfin bref. On va montrer la lettre.
Franchement, il devrait faire une espèce de mini-carte. Enfin, une carte où on peut sélectionner les endroits directement au lieu de passer par 50 endroits comme ça. Je sais pas si c'est toujours comme ça dans les nouveaux Phoenix Wright sur 3DS. Ah, mais il y avait un raccourci pour aller directement à la boutique de location de bateau, j'avais pas vu. Du coup, là. Ah oui, on a un sacré paquet de preuves. Hein. Mais ça sert à rien, il y a des Phoenix Wright où il y a 3 pages. Hein. Jean Durand et lui, donc ça peut même pas être Yanni Yogi, le tueur de son père, puisque Jean Durand l'a défendu, donc il n'a pas gâché sa vie. Non, c'est pas logique. Trouve pas ça logique, puisque pourquoi il voudrait se venger de son avocat? Encore plus de son avocat. Putain, il est chiant quand il fait ça. Il rêve que c'est lui qui l'a tué.
Le con. Ça se trouve, c'est lui qui l'a tué sans faire exprès, en fait. Ouais, c'est peut-être juste un rêve. Peut-être pour ça qu'on aurait envie de lui, parce qu'il a été accusé, alors qu'en fait, il était même pas... coupable. Ouais. Putain. Ça, on n'y avait pas pensé. Je suis sûr que personne n'y avait pensé. C'est clair et net que c'était lui. Et c'est la personne qu'on a eu juste avant, Rosenberg. Il n'a toujours pas récupéré son tableau. Ça c'est logique, ouais. Mais pour payer les droits de danger de son avocat, ça je comprends pas. Je rappelle, c'est toujours la même affaire que l'on parle dans le... dont on parle dans la deuxième affaire de Nix Wright. Attends, là, ça devient de plus en plus bizarre. Donc soit sa mère c'était un charlatan, soit c'était pas une peur le meurtrier. C'est marrant parce que on sait presque ce qui s'est passé dans l'affaire en cours, mais l'affaire d'L6, c'est là où on se pose vraiment les questions quoi. Même mort, le gars. Ouais, c'est vrai, c'est le bordel en fait.
Ah. Hunter va pas faire ça, lui il veut pas s'écrire une lettre lui-même. Donc c'est clair hein. Il voulait peut-être enfermer Hunter à cause de son père. Mais ça veut dire que Von Karma est assez con pour pas l'avoir écrit à la machine à écrire ou à l'ordinateur? Oui. Le gars il falsifie des preuves et tout. Mais il est assez con pour écrire avec sa propre écriture. Il saurait ça. Ah, peut-être que Yenny Yogi lui a dit. Ça m'étonne pas. Oh putain, ils recommencent avec leur truc comme quoi ça se passe en France. Ouais, mais on n'est pas sûr que ce soit vrai. Voilà, on va aller voir les archives de la police . Pourquoi je peux pas? Ah c'est bizarre, ça fallait revenir là pour... Ah, c'est le joueur d'échecs.
Oh là, je me demande ce que je vais examiner. Y'a qu'un truc qui ressort en plein milieu. Ça fait bizarre de le voir de face. C'est sérieux ce mec. Petit con, Ouais, ça c'est vrai que c'est... Il y a quand même des questions qui se posent encore, hein. On va tester un truc. Putain, il le savait depuis le début. Une de ses gueules comme ça. Pas mal la fin là, dit Chafifo. Bon voilà, il y a encore quelques questions qui se posent. Pourquoi il l'a pris sous son aile? Est-ce que c'est vraiment Hunter qui a tué son père? Ou est-ce que c'est une Yogi? Et qu'est-ce que Van Karma vient foutre là-dedans? Bah, vous saurez tout dans la prochaine partie. Ouais. T'es vraiment qu'une merde, Maya. Putain, t'as tout niqué! Non, je déconne. Oula.
Ah, elle a une preuve. Ouais, on a au moins un petit truc. Bref, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. On va se retrouver à la prochaine pour suite et fin de la quatrième affaire. Salut!